Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, nous serons pour ce let's play vite. Vous allez voir, ça va être très vite. Sur Donald vs Martian, je tiens encore à remercier Lapinator pour m'avoir offert ce jeu sur Steam. Du coup, c'est un fast FPS un peu à l'ancienne où nous incarnons Donald. Nous devons protéger les êtres humains des pumpkins. Hein, qui sont les citrouilles en fait. C'est parti. Donald wanted to make America. Et donc, ce qui est bien, c'est que nous incarnons littéralement Donald Trump. Alors, bien sûr, la BO est magnifique. Hein. Poum, 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 poum. Attendez, on va vite fait. Est-ce qu'on peut augmenter? Parce que, en fait, le son, par contre, est quand même très mal fait, quand même très mal géré. Est-ce que... Voilà. Bon. Après, techniquement... Bon, après, hein, le boum-boum, hein, on s'en foutait un peu. Hein. Moi, je vais vous le dire. Par contre, la BO, elle, par contre, elle trouve du cul. Prenez Bob, prenez vos hamburgers. America again. C'est quand même fou, hein. Mais sur Steam, vraiment, il y a de tout. Hein. Genre la mitrailleuse avec des briques. Alors, c'est un jeu qui est inconnu par contre. Hein. Il n'y a eu que 4 joueurs au total. Dans un pic, du moins. 4 joueurs en pic. Et ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai fini le jeu en 24 minutes. Hein. Mais là, bien sûr, hein, je joue pour mon plaisir. Donc, ça durera plus longtemps. Bien entendu. America again. Voilà. Le jeu contient peu de niveaux. Voilà, comme je vous l'ai dit, le jeu en contient que 11. Donc en vrai, c'est voilà, c'est du vite fait, hein, les 11 niveaux. Bon, je suis encore un peu malade. Bon, vous savez quoi, on va essayer de tous les faire. Hein. Parce que là vraiment hein, c'est pas du tout un speedrun ou quoi. C'est vraiment speedrun, le jeu je l'ai fini en 24 minutes. Et encore hein, c'est pas réellement un vrai speedrun. Hein. Parce que un vrai speedrun hein, c'est hard. Mais en vrai il y a moyen que ce jeu se speedrun hein, clairement. Pum, 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 pum. Par contre, vraiment, ce jeu, par contre, je l'ai vraiment amorti, hein, clairement. Ce jeu, en fait, est vraiment excellent, clairement. Et encore, vous allez entendre, parce que du coup, je plaudrai aussi la BO, qui est juste excellente. Clairement, la BO de Donald vs Martian est tout bonnement excellente. C'est quoi, on va quand même baisser légèrement le son parce que, après je sais pas comment ça rendra en vidéo, c'est ça le problème. On va sauvegarder. Parce que là techniquement on va refinir le jeu. C'est à dire que j'aurais fini le jeu 3 fois. Une fois speedrun, enfin une fois normal du moins, où je l'ai fini en 42 minutes. Et le speedrun où je l'ai fini en 24 minutes. Pum, 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 pum. C'est pour ça que je connais vite fait les emplacements des mobs. Hein. Vous m'en pardonnez. Et bien sûr, en armes, on en a trop. Mangez! Mangez les bisous! Mangez! Voilà. Donc le premier niveau fini. Donald understands that not welcome not only among the pumpkin mutant, but among Martian as well. That's why the drunk, some kefir, took a double hamburger in his callous hand and desired to teach the Martian some manner. Ah, et là cette BO est magnifique. Et là cette BO, on peut en parler longtemps. Tout bonnement, une excellente BO, hein, clairement. Et c'est une BO qui d'ailleurs revient dans un autre chapitre, qui est le chapitre 7, si je dis pas de conneries. Mmh.
Bien entendu, j'uploaderai aussi la. Comment s'appelle ça? La BO, hein, bien entendu, hein. Non. Vraiment, ce jeu est tout bonnement excellent. Pourtant, il est tout con, hein. C'est. Voilà, c'est du fast FPS. Décérébré, quoi. Mais j'aime bien. Et puis, le délire, on incarne Trump, quoi. Hein. Non, et puis, en vrai, le jeu est tout bonnement excellent. Hein. Oula. Donc, ça, c'est les méchants. Ça, c'est les méchants qu'on verra plus tard. Enfin, dans le niveau d'après, hein, si je dis pas de conneries. Aïe. On récupère de la vodka, parce que finalement, la vodka, c'est notre vie. Là, bien sûr, hein, je joue pas en mode speedrun. Hein. Là, je joue en mode je me détends. Parce que vraiment, si je devais jouer vraiment en mode speedrun, là, le niveau, j'aurais déjà fini depuis longtemps. Fin du chapitre 2. Après, franchement, il y a moyen vraiment de s'éclater un peu sur ce jeu. Pourtant, c'est vraiment un jeu tout con. Hein. C'est vraiment genre du bon vieux spa. C'est vraiment voilà, c'est du bon vieux fast FPS à l'ancienne. Bien sûr, on récupère de la vie. On va peut-être changer d'arme vite fait quand même. On va se prendre voilà le petit hamburger. The fear. The fear. C'est ça ce qu'il y a bien, hein, si vous avez différentes armes tout aussi pétées les unes que les autres. Hein. Par contre, il n'y a pas beaucoup de mobs. Hein. Il y en a 4. Je dis pas de conneries. Bon, par contre, le hamburger tue quasiment instinct. Hein. Sauf bien sûr certains mobs qui sont quand même bien plus résistants. Mais sinon, globalement, et ce qui est bien aussi, c'est qu'on entend. Bon, bah là, j'ai mis quasiment le son pas fort. Mais on entend genre Donald qui dit I'm the fear. War. War is coming. Voilà. Le fameux mob. Allez, mange. Mange. Mais je pense que ce que je vais faire, hein, c'est que. Parce que finalement, on s'en fout un peu de ma voix, hein. De toute façon, le jeu est excellent, hein, comme je le dis. Voilà, c'est pour avoir, entre guillemets, un let's play, au moins sur YouTube. Parce que c'est un jeu qui est bien, mais c'est un jeu qui est introuvable sur YouTube. Enfin, introuvable. Il y a quelques vidéos sur ce jeu, hein, mais. Ça casse pas trois pattes à un connard, quoi. Donc en vrai, voilà quoi. Là, je parle et puis je pense dans les derniers niveaux, hein, je ferai limite le jeu, limite en full speedrun. Et je remettrai bien sûr le son du jeu à fond. Là, je le fais, voilà, je fais. Je pense que je vais faire les 4 premiers, peut-être le voilà, et puis après je. Je suis perçu finalement le jeu est bien, du coup, je vois pas ce que je pourrais dire réellement de plus. Déjà, attendez, au pire, on va augmenter vite fait le volume des effets. Voilà. Save. Voilà. Voilà. Bien sûr, hein, pas de sauvegarde, hein, bien entendu. Hein. Hein. Pas de sauvegarde. Hein. Oula. Oula, 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 oula. On récupère, il fait. Tac, 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 tac. Tac.
Voilà. Allez, chapitre 4 fini. Everyone on Mars didn't make any sense. You could pick a bullet only for the weapon that you are holding in your hand right now. What an idiot came up with this idea. Tough Donald, but the character of our heroes was out of competition, so he just continued to exterminate his enemy while picking up the bullet to write weapon.